Ces pilons de poulet étaient tellement bons, j'en ai refait 2 fois. Ils sont bien croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur avec la petite sauce, vraiment excellent. Pour commencer, tu vas prendre des pilons de poulet que tu vas nettoyer et que tu vas inciser. Ensuite, tu rajoutes du sel, du poivre, de l'ail séché, du paprika, de la coriandre séchée, une petite pointe de gingembre, une petite pointe de curcuma, de l'huile d'olive et tu mélanges bien. Tu mélanges bien bien jusqu'à ce que le poulet soit bien imprégné avec les épices. Tu couvres et tu mets au frais pendant au moins 1 heure. Et là, tu prépares ta panure avec 5 cuillères à soupe de farine, les épices que j'ai mis précédemment. Et là, c'est de la bière sans alcool. Tu peux mettre de l'eau gazeuse. Tu mélanges bien, tu vas mettre tes pilons de poulet dedans. Ensuite, tu les fais frire. Et là, on passe à la petite sauce. Dans un mixeur, tu vas mettre de l'échalote, de l'ail, du persil, de la coriandre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la sauce soja, du vinaigre de riz et de la mayonnaise. Tu mixes tout ça et c'est prêt!